Qui m'a soutenu pendant la crise des Gilets jaunes? Personne. C'est le peuple français qui m'a choisi, pas la République des partis. Je lui dois tout. Si j'échoue, j'aurai échoué pour lui et avec lui, jamais contre lui. Est-ce que vous pouvez réagir à cette phrase? Non, mais Emmanuel Macron a été élu par l'oligarchie, par ses réseaux financiers. On sait tous que aujourd'hui, ce qui fait un président, c'est avant tout la campagne, l'argent qui est mis dans une campagne. On a vu qu'il y a eu un soutien énorme de médiatique pour porter Emmanuel Macron. On sait très bien qu'il a été fabriqué par une petite oligarchie, une sphère. Vous remettez en cause son élection. Nous remettons en cause son élection. Pour nous, il n'est pas légitime. Quand on regarde concrètement qui a élu Emmanuel Macron, c'est un petit pourcentage des votants. Et oui, à l'échelle du peuple français, il n'est pas unique dans la Ve République, dans le pourcentage des votants. Oui, il n'est peut-être pas unique, mais en tous les cas, il est extrêmement contesté aujourd'hui. Et la crise des Gilets jaunes, c'est vraiment le symptôme du grand malaise que lui, Emmanuel Macron, a créé en 18 mois de quinquennat. Toutes ces phrases-là, jamais je n'irai contre le peuple. Pour vous, c'est du vent. Mais c'est complètement du vent. Il est menteur, manipulateur, constamment. Il dit l'inverse de la réalité sans arrêt. Donc ça veut dire cet homme est un grand manipulateur. C'est une marionnette pour moi.